There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one. Et salut à tous, Sander Excel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc on se retrouve sur le Leeds Build pour une minute d'écho. Avant de commencer la petite minute d'écho, j'ai deux choses à vous dire. Donc on a fait un stream, tranquillement. On a terminé la structure globale du bâtiment. Je me suis fait aussi un petit bureau durant le stream. Enfin c'est un peu parti en cacahuète ce stream. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, il reste encore pas mal de choses à faire, hein. Je ferai sûrement d'autres streams vu que ça me plaît plutôt pas mal. Et aussi donc on a fait ça, et pendant le stream j'ai lancé un concours. Donc le concours, il se passe ici sur ce terrain-ci et pas ailleurs, c'est juste ce terrain-ci. Donc c'est la zone de concours où vous devrez virer la machine anti-pluie. D'ailleurs, attendez deux secondes, voilà. Si jamais il pleut. Donc, c'est la zone de concours. Donc c'est pour un hôtel de ville, vu que là, en fait, on a décidé que c'était le Parlement. Donc avec Charles Michel qui nous fait coucou. Donc c'est le Parlement, tout reste à faire à l'intérieur, c'est un énorme bâtiment. Il reste encore pas mal de vitres à placer, etc, etc. La seule chose qui est faite, c'est vraiment mon bureau, qui est ici tout en haut. Bon, j'aurai toutes les places du monde. Donc un bureau assez simple, pas trop prise de tête ni rien, donc j'ai juste fait ça. Un petit bureau tranquille, où on verra tranquillement la ville ici. Et on va se retrouver au niveau du bâtiment d'aujourd'hui, pour commencer la petite minute d'écho. Et on se retrouve à côté du bâtiment en question. Donc oui, c'est les bureaux du troisième épisode, il me semble. Ça doit être un truc dans ce genre-là, on doit être au troisième épisode ici. Donc ça fait un moment, faites pas attention à ça, c'est juste parce que j'ai fait des tests et que ça m'a pas plu. Donc ça, vous pouvez l'ignorer, de toute façon, normalement dans le live on le voit. Donc comme vous le voyez, il y a un énorme espace à combler. Je sais pas encore trop comment le faire. Je l'ai déjà fait un petit peu ici pour les escaliers. J'aime bien le truc des trapdoors ici. En haut, j'ai déjà mis quelques petits murs, tranquillement. Donc ici, ça va être des petits bureaux. Enfin, forcément, c'est des bureaux, donc c'est normal qu'il y ait des bureaux. Donc dans chaque pièce, il y aura des bureaux. Et je vais commencer à bosser là-dessus. Et on se retrouve tout de suite après, dès que c'est terminé. Et re tout le monde, donc je vais vous montrer petit à petit comme j'avais fait pour mes derniers, mes dernières minutes d'écho. Donc j'ai fait un petit peu l'entrée, donc vu que ça va être des bureaux, ici j'ai mis des petits bancs pour eux attendre. Attendez, je regarde après un petit quelque chose. Non, c'est pas là-dedans. Juste pour que ça fasse un peu moins... Ouais, ça fait un peu moins droit, comme ça je préfère. Donc ici c'est l'accueil. On va même mettre un petit bonhomme tranquillement à l'accueil. Hop. Les citrouilles, citrouilles, citrouilles. Là, voilà. Tranquillement, voilà. Et il va être habillé. Ouais, on va l'habiller comme ça, on s'en fout pour l'instant de comment il est habillé. Hop. Non. Plutôt comme ceci, voilà. Hop. Comme ça, il regarde son petit PC. Ensuite... en dessous, je n'ai encore rien fait. Donc, bah, ça se voit que je n'ai encore rien fait. Et maintenant, au-dessus, j'ai commencé... Enfin, j'ai commencé plus ou moins à terminer. Donc, on monte les escaliers, qui sont ici de chaque côté. Et on arrive ici dans le couloir, donc avec des petits sièges pour attendre de chaque côté. Je sais pas encore ce que c'est comme administration, mais bon... C'est une petite administration. Et les bureaux, bah, ça se présente comme ceci. Donc des bureaux assez simples, un petit ordinateur. Là, j'ai mis des sièges comme ça, avec un petit cadre, des porte-manteaux. Après, ici à côté, bah, là, il n'y a pas de siège, c'est juste un bonhomme tout seul. D'ailleurs, j'ai oublié son ordinateur, tant pis. Il y a un petit arbre, un petit tableau, toujours ses porte-manteaux. Ça, j'en ai mis partout, des porte-manteaux.
Ensuite, ici, bah, il y a un tableau, un arbre, il y a une chaise pour recevoir quelqu'un, et ainsi de suite. En gros, c'est le même pattern plus ou moins partout. Je me suis pas trop foulé. De toute façon, ici, c'est des petites décos qu'on doit être capable de faire en survie. À moins que vous préfériez des belles décos faites avec commande bloc et tout ça. Si ça vous intéresse, je vais mettre un petit sondage pour voir si ça vous intéresse ou pas. Sinon, c'est tout pour le moment. Et ici, en gros, je vais faire une énorme zone de paperasse. Donc ça va être plein de petits bureaux partout. Et je vais me mettre ici dans le coin en regardant là-bas. Et voilà, comme ça. Et après, à mon retour, vous verrez, ça va changer. Et voilà les bureaux terminés. Donc, c'est une décoration assez simpliste. J'attends vos... Franchement, j'attends vraiment vos réponses au petit sondage que j'ai mis. Pour savoir si je peux utiliser des command blocks pour faire justement de la déco. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si pas, on reste sur de la déco assez simpliste, bah tout simplement parce qu'avec Minecraft, on est assez limité au niveau déco. Au niveau bloc décoratif, je regrette, on a que ça. Hein. C'est vraiment rien du tout. 2-3 carpettes et encore, je vois même pas l'intérêt de mettre des carpettes ici dans des bureaux comme ça. Donc, au niveau des bureaux, voilà. Donc ici, une petite place, il faut compter qu'il y aura sûrement beaucoup de monde qui viendrait voir les bureaux. J'ai refait un deuxième truc comme ici, sauf qu'au milieu, bah, j'ai mis des trapdoors au lieu de mettre, allez, au lieu de mettre des buissons. Ici, au niveau des séparations, bah, j'ai mis des buissons, tout simplement. Ce que j'aurais pu faire aussi comme séparation, c'est, hop, comme ceci, des petites séparations, vraiment comme dans les bureaux, quoi. Hop, une petite séparation comme ça. Oh bah. Vous savez quoi, ça donne bien, je vais le laisser. Je vais faire un étage en plus avec vous. Tac, tac, tac. Et... Ouais, forcément, si je le mets pas au bon endroit. Tac, tac, tac. Tac et tac. Voilà, ça fait une petite séparation sympa. Donc, ici, petite zone de bureau, on accueille des gens. Sauf là, sur un bureau comme ça, et là aussi. Là, j'ai changé le bureau, j'ai fait un T au lieu de que ce soit un U à l'envers. Et ici, ben, encore un petit bureau et une petite salle de réunion tranquille. Donc, ça fait deux chouettes petits bureaux de terminés. Franchement, répondez aux commentaires, enfin, au sondage, j'insiste vraiment. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu. Ou un petit pouce rouge si ça vous a pas plu du tout. N'hésitez pas à le faire et dites aussi dans les commentaires ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu. Sur ce, je vous laisse. Salut tout le monde!